Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une journée dans ma peau. Là on est au pré avec Riva, Jéroméo et tous leurs copains. Ils sont un peu partout, là pour l'instant j'ai été emmener ma mère au travail, je suis en conduite accompagnée et qu'elle s'est cassée le pied suite à ce que Crac lui a marché dessus. Donc du coup je l'ai emmenée et ramenée pour qu'elle puisse aller régler 2-3 choses. Bah, elle est en arrêt maladie mais elle a 2-3 choses à régler. Ensuite je suis allée chez le kiné donc pour mes genoux et là je suis passée voir Riva Jéroméo parce que Riva en fait a un petit souci avec son œil, enfin bref pour l'instant rien de trop inquiétant, je vais voir cet après-midi. Là cet après-midi je vais aller chercher mes lunettes et celles de ma mère. Avec ma mère, on va aller acheter tout ça. Ensuite, je vais passer à Orsou d'acheter 2-3 petites choses pour la map. On va revenir au coin, on va faire un petit shooting photo avec Riva Jéroméo. Et après, je vais aller à la Max donc avec ma soeur et Kathleen. Et elles vont aller en trotting avec Bérésina, Amos et d'autres personnes. Et moi, pour l'instant, je vais longer Crac. Voilà, j'ai un programme bien chargé pour la journée. Beaucoup de choses à faire. Là, je vais rentrer manger, du coup, parce que j'ai été chez le kiné ce matin. Vous allez me suivre toute la journée. Là, nous partons déposer les filles au club parce que Amos, donc le poney de Kathleen qui est quelque part par là-bas, va se faire ferrer et pendant ce temps avec ma mère on va chercher nos lunettes et on va en Je la verrai puisqu'elle vient avec nous faire le shooting. Ok. C'est le vlog. On va faire des photos avec la photographe. Par là. Si ça marche pas. Pas regarder plus. Si je suis tannée, ça. Et là, c'est l'assistante. Et là, ouais, je sais pas ce que c'est en fait. C'est le mannequin. C'est le mannequin. Ça c'est un mannequin donc. Nous avons deux mannequins de Ikea pour ne pas changer. C'est comme un bébé. Auprès, elles escaladent la barrière. Nous allons prendre des photos. On se calme, cannabis. Oh. Est-ce que je fous? Oui. Toi, t'es moins beau. Ouais. Si tu nous fais chier comme la dernière fois, je peux juste. Maman, veux-tu? Le Nimbus. Voilà, il nous suit. Il est vénère. Le Nimbus. Oh mon dieu, il est trop mignon. C'est vraiment la réincarnation de la mignonneté. C'est l'Orméo. Ouais. C'est le Rivage. En plein footing. Nous voilà, nous allons aller faire des photos dans les hautes herbes. On y va. Si tu l'avances. Ah mais qu'est-ce qu'il y a?
Viens, viens, viens. Ouais, mais il fait quoi ce gars? Mais c'est quoi ça? C'est Carlos, je te jure, c'est la réclamation que t'as fait donner. Il est trop con. Petit chien, va. Petite. Regarde, j'ai les photos. Bon, c'est bien, tu viens juste à Ah ouais, tu m'écrases, toi, carrément. On vient de terminer le shooting, on est en train de partir, les poneys sont là-bas tout au fond. On vient de terminer, les poneys étaient cool. Donc là on est en train de partir, les filles sont en train de faire les gogoles là devant. Là on va aller à la Max. Donc je vais longer Crac et elles vont aller en trotting avec les poneys. Et voilà voilà, donc bah, c'était bien cool tout ça. Les poneys ils étaient vachement plus coopératifs qu'avant-hier. Bah, avant-hier je pense aussi Rivage avec son œil. Il n'était pas hyper de bonne humeur, quoi. C'est-à-dire qu'il avait les oreilles en arrière tout le temps. Pour prendre une belle photo avec lui, c'était un peu compliqué. Et là, franchement, il était super adorable. Au moins, il était un peu con la dernière fois. Et là, il était vraiment, pareil, super gentil. Donc, que du positif. Et on va y aller. Bon, là, je suis au cheval. Je vais longer Crac. Là, je vais aller chercher ma chambrière dans ma cellerie. Et puis, je vais le longer. Donc, bah, j'espère qu'il va être sympa. Je vous filme un peu tant que je peux encore, parce que pendant la longe, au début, je vais pas pouvoir filmer parce qu'il va être débilous. Il va courir partout, donc je pourrais pas filmer, mais après, je pourrais vous filmer un petit peu. Donc là, c'est parti pour une petite longe. Bah, déjà, on va marcher un petit peu dehors pour les chauffer. Ensuite, on va longer, on verra comment il sera. Quand je suis en train de longer, en fait, c'est bien qu'il fasse chaud parce que du coup, il est calme. Enfin, calme. Il a déjà pété en l'air deux ou trois fois, mais c'est mieux que d'habitude. Bon, il fait ses petites conneries. Comme d'hab. Oh. Oh là. Oh, oh, oh là. Oh là, ça c'est tout le temps d'habitude. Là ça va, c'est à des petits moments. C'est pas excessif. Trotter, trotter, galop. Trotte. Voilà, on a fini de galoper. Donc là je le trotte quelques tours histoire qu'il redescende en pression tranquillement. Bah il était cool. Un peu concon au galop, bon ça après c'est habituel hein. Mais il était plus calme que d'habitude, plus gérable. Bon même s'il a ses petits moments concon quoi, comme d'hab. Je croyais qu'on avait terminé lui. Marche. Ça va faire 3 ans que je connais Crac et je viens enfin de trouver là où il aime qu'on le gratte. Ici. J'avais jamais trouvé. Bah voilà.